Les résultats de l'analyse du cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire faisant état de 5,4 millions de personnes, soit 48% de la population haïtienne analysée, classifiée en insécurité alimentaire, phase 3 et plus de l'IDC, pour la période allant d'août 2024 à février 2025, ainsi que les éléments du plan de préparation aux crises de sécurité alimentaire en cours de finalisation, nous invitent à agir vite. Des données venant de différentes sources, notamment des enquêtes de terrain que nous avons réalisées, des analyses à partir des facteurs contributifs et les résultats de sécurité alimentaire qu'on a fait, en plus de consensus technique qui en est dégagé, indique qu'on est en pleine crise alimentaire et elle est majeure. Soit rappelé en passant les facteurs aggravants de l'insécurité alimentaire que le pays connaît. Il y a d'abord l'accroissement des difficultés d'approvisionnement dues aux diverses formes de violence. L'accélération du déclin de l'économie haïtienne. Accès limité à l'alimentation en raison de la hausse du coût du panier alimentaire. Les effets résiduels des chocs antérieurs et des difficultés d'écoulement de la production locale, pour ne citer que ces facteurs-là. Ceci étant, la mise en œuvre de la réponse multisectorielle s'impose avec empressement à travers un leadership approprié pour la coordination des actions publiques, étatiques et non étatiques et la mise en place de protocoles d'engagement multi-acteurs pour des actions rapides, concertées, complémentaires et synergiques. C'est sûr que le consensus technique doit être renforcé, doit être affiné. Mais déjà, on va procéder à l'inventaire des actions en cours et des ressources utilisées et celles qui sont mobilisables. Parallèlement, il devrait y avoir le renforcement des structures de coordination. Comment l'on se propose d'agir en comptant sur l'appui des partenaires de développement et de l'action humanitaire. Et cet appui-là, ils vont aider à apporter des réponses à cette crise de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Et ceci, ça commence à se faire depuis l'élaboration du plan. Ça va continuer à la mise en œuvre de ce plan de manière cohérente, ordonnée et coordonnée. Nous venons, si vous voulez, de faire un travail extraordinaire. Nous avons mis du temps pour réfléchir, pour analyser, pour produire des recommandations et pour pouvoir, bien sûr, regarder l'avenir avec des yeux de foi dans cette lutte sérieuse contre l'insécurité alimentaire. À un moment où, au niveau du pays, on est confronté à une crise sécuritaire multiforme. Ce qui veut dire que nous sommes en crise. Mais je suis tout à fait certain que nous allons pouvoir lever le défi dans la mesure où c'est dans nos gènes de lutter. C'est dans nos gènes de gagner des batailles, de gagner des guerres. Oui, nous en avons l'habitude et je pense que ça, cette insécurité alimentaire dans laquelle nous nous trouvons, va être anéantie à jamais. Alors l'exercice qui vient de se réaliser pendant les 3 journées, et bien avant, bien entendu, il y a eu des rencontres, il y a eu des discussions, il y a eu des focus group au niveau des départements. Eh bien, cet exercice trouve sa justification
Dans cet ensemble de constats, dont certains peuvent être énumérés, même si ce n'est pas de manière exhaustive. Selon ce que m'a rapporté le coordonnateur de la Commission nationale de la sécurité alimentaire, il y a un certain nombre de constats qui sont faits. Tout d'abord, selon bien entendu les participants, nous sommes en situation de crise et nous avons un pays qui est enfermé dans un cycle de faible croissance et de réduction limitée de la pauvreté sur plusieurs années. Il y a une instabilité politique et la fragilité institutionnelle sapant la croissance économique nationale. Nous faisons partie des pays les plus exposés au monde à de multiples risques naturels, et ces risques se sont accrus avec, bien entendu, ce phénomène que tous nous connaissons, le phénomène des changements climatiques. Encore s'alignent d'autres constats. Il y a une population nationale qui souffre des niveaux très élevés d'insécurité alimentaire et de malnutrition pendant que le pays est confronté à une crise d'insécurité alimentaire croissante. Les risques d'insécurité et de malnutrition exacerbés par le changement climatique, je viens de le dire. La faible productivité agricole et le prix élevé des aliments représentent les principaux facteurs d'insécurité alimentaire en Haïti. Alors que de nombreuses agences, nous devons le reconnaître, elles ont apporté leur appui, elles nous ont soutenus et nous sommes tout à fait reconnaissants envers ces agences. Ils nous ont aidés, bien sûr, notamment ils ont aidé les ménages qui sont confrontés à l'insécurité alimentaire, à partir bien entendu de leurs actions, à partir du financement, à partir bien entendu des apports techniques. Mais nous devons reconnaître que nous sommes encore en plein dans cette situation de crise alimentaire. Haïti est face à une situation très critique, comme cela a été démontré dans la nouvelle analyse IPC présentée dernièrement par la CNSA et qui soulignait que près de la moitié de la population est confrontée à des niveaux élevés d'insécurité alimentaire aiguë et nécessite une action urgente. Aujourd'hui, le travail intense effectué au cours de ces trois derniers jours a permis d'établir, grâce à la collaboration des acteurs gouvernementaux, humanitaires et de développement concernés par la sécurité alimentaire, des bases claires et des mesures conjointes qui permettront au gouvernement haïtien de finaliser le plan de réponse aux crises alimentaires. En effet, aujourd'hui, plus que jamais, une fois finalisé et validé ce plan, permettra de mettre en œuvre rapidement et de manière concertée des réponses claires pour prévenir et atténuer les impacts d'une potentielle crise. La Banque mondiale est heureuse de soutenir ce processus pour la réalisation du plan par le gouvernement d'Haïti à travers le projet PASA, le projet d'agriculture résiliente pour la sécurité alimentaire. Moi, je voulais dire que moi, j'ai eu l'occasion de parler matin hein, avec le Premier ministre Gary Conille, Dr. Gary Conille, qui nous tous nous au courant, qui est en voyage et suite à l'invitation qu'il recevait de plusieurs pays amis qui prennent la peine de gens que nous-mêmes nous engager dans la bataille au niveau du gouvernement pour nous porter réponse. Et que de là, nous avons eu l'occasion de partager avec lui et ça qui a fait travail qui a fait pendant 3 jours, de 7, 8 et 9 jeudi, et que nous avons demandé pour me saluer nous tous et qu'on est que nous avons pensé. Moi, je voulais rappeler et je voulais assurer que nous tous entendons et comprendre que ce n'est pas un bagage qui est facile diriger, gouverner, parce que charger problème. Et nous tous là, nous connaissons, il y a un pile problème.
premier problème qui toujours vient sous bouche tout le monde, c'est le problème insécurité. Et c'est pendant que nous travaillons sur la question insécurité que nous devons rappeler que l'accord 3 avril 2024 là, qui établit transition pacifique et ordonnée, c'est déjà prévoit dans l'article 20 nécessité pour le gouvernement combattre l'insécurité alimentaire. Et c'est dans toute action qui a posé pour nous porter réponse à la question insécurité que nous tous malheureusement vivons pendant pile temps que nous sommes capables de dire avec le travail CNSA que chiffre pas fait plaisir. Chiffre pas fait plaisir parce que ça CNSA dit nous à partir du travail que nous faisons de 2008 à 2024, nous passons de 2,5 millions à 5,4 millions de personnes qui tombent dans l'insécurité alimentaire. Et ça va être sauté, ça va être fait mal, parce que justement, il montre que la population est de plus en plus vulnérable. Cependant, toute question prioritaire, et c'est dans ce sens ça, insécurité alimentaire là, c'est une plus grosse priorité que le gouvernement gagne.